Salut à toutes et à tous, c'est Agrison. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir derrière moi, on est dans les vignes. Et dans les vignes, au mois de septembre, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire une étape très importante pour la vie du viticulteur, puisqu'on va vendanger. Eh bien, pendant les vendanges, le viticulteur récolte tout ce qu'il a accompli durant toute une année, puisqu'il récolte le raisin et ce qui va lui permettre de gagner sa vie. On est le 4 septembre, alors les vendanges ont déjà commencé depuis une ou deux semaines, mais on est plutôt quand même au début des vendanges. Eh bien, justement, dans cette vidéo, je vais vous montrer l'étape qu'il faut réaliser juste avant de vendanger. En fait, ça va être l'étape qui va déclencher les vendanges. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mesurer le degré du raisin. Et si le degré du raisin a atteint le bon nombre de degrés, eh bien, on pourra commencer à vendanger. Vous pouvez voir que le raisin est déjà bien, bien joli, hein. Donc, il ne reste plus qu'à ce qu'il ait le bon degré du raisin pour pouvoir vendanger. On va faire des prélèvements régulièrement, on va prélever quelques raisins un petit peu partout dans la parcelle et avec un outil qui s'appelle le réfractomètre, on va pouvoir vérifier le degré du raisin. Alors en premier, on devra récolter une soixantaine de raisins. Donc vous voyez, pour faire les prélèvements, on en récolte un petit peu un grain par-ci, un grain par-là pour pouvoir ensuite, en fait, ça va faire un peu une moyenne du champ. Donc on compte le nombre de raisins au fur et à mesure. Et voilà. Voilà, là je suis à 30. On en fait encore 20 et on est bon. Allez, c'est bon, on a terminé. On a nos 50 petits raisins. Donc maintenant, eh bien, on va aller vérifier leur degré. Mais juste avant, je voulais vous montrer, regardez, petite parenthèse. Vous voyez là, ces grappes de raisins, les petits points marrons légers. Eh bien en fait, c'est des petits champignons, c'est de la moisissure qui s'est installée parce qu'il a fait de la grêle il n'y a pas longtemps. Et en fait, ça a percé certains raisins et puis ensuite ça... En fait, vous savez, la pulpe a été à l'air libre, donc ça a pourri. Les champignons sont venus s'installer. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il faut vendanger assez vite. Il y a déjà eu plusieurs tests. Et donc, les tests étaient bons. On était près du bon nombre de degrés. Donc, il faut vite se dépêcher. Donc, vous voyez, là, on a tous nos petits raisins. Donc, on va les éclater un par un pour faire du jus. Donc vous voyez là, on a notre jus dans le sachet. On va faire un petit trou. Voilà. Cet appareil va nous servir à mesurer la concentration de sucre dans le jus du raisin. Et là, donc là, on va déverser le jus. Donc là, on referme. Et maintenant, on peut regarder dedans. Donc là, on est à 12,1 degrés. Ça y est, on a fini de faire tous les prélèvements et chaque champ a son degré. Ce champ-là, qui est un champ de grenache, eh bien, il est à 12,1. Alors, il faut être à 11,5 minimum. Donc, ce champ-là, dans une petite semaine, on le ramasse, on le récolte. Hein. Après, on a un autre champ là-bas de Saint-Sau et celui-là, il est à 10 parce qu'il a plu il n'y a pas longtemps et il s'est gorgé d'eau. Mais il est à 10, donc... normalement, bon, il faudra encore un peu attendre avant de le vendanger. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous à une prochaine vidéo dans une semaine. Ciao !